Eh bien, salut tous les amis, c'est Archi, comment ça va? Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on part pour le tuto sur les quêtes. Je vais tout vous montrer comment réaliser donc ces fameuses quêtes. Mais en tout cas, amis, je vous rappelle que le code créateur Archi est toujours disponible dans la boutique et c'est pas à utiliser pour me soutenir, mais également soutenir Archi en achetant vos skins, vos battle pass, énormément de nouvelles promotions sont disponibles dans la boutique. N'hésitez pas à utiliser le code créateur Archi en tout cas pour me soutenir et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent ou que disons le code créateur Archi pour le soutien, vous apportera certainement. Merci beaucoup pour ça. Alors, pour cette quête, il va falloir apprivoiser des animaux. Alors, comment on va faire? Il faudra apprivoiser plusieurs animaux en une seule partie. Donc déjà, première étape, ça va être de trouver donc des animaux et trouver des emplacements où ils se trouvent. Donc, puisqu'il en faudra plusieurs, il faudra trouver soit plusieurs, genre une meute d'animaux qu'on va pouvoir trouver. Donc, comme ici, par exemple, là, on a un sanglier qu'on va pouvoir utiliser donc pour pouvoir l'apprivoiser. Donc, comment on l'apprivoise? Il faudra uniquement lui sauter dessus, en fait, tout simplement. Donc là, on a des petits bugs graphiques, c'est normal. Ça peut arriver. Donc là, il faudra juste lui sauter dessus. Donc là, on a déjà deux. Donc là, j'ai apprivoisé un sanglier. Donc le premier a été fait. On va sur le deuxième qui est juste à côté de lui. Donc on va pouvoir lui sauter dessus. Donc on va lui sauter dessus. Hop, on va devoir l'apprivoiser. Donc sauter lui dessus, c'est obligatoire hein, pour l'apprivoiser. Donc voilà, là, on a fait le deuxième et il nous en manque un troisième. Donc là, regardez, il y a un troisième sanglier juste en face de nous. On va pouvoir aller directement le voir pour l'apprivoiser également. Donc là, hop là, faites trois sangliers, trois loups, deux sangliers, un loup. C'est comme vous voulez. C'est selon ce que vous trouvez. Des fois, ça peut être un peu compliqué de trouver des animaux. Donc les meilleurs emplacements, c'est vraiment les prairies pour trouver des animaux ou les forêts même. Donc là, on va essayer d'apprivoiser le... Vous voyez que là, nous, on a tout. On a des loups et des sangliers, donc on a tout ce qu'il nous faut. Et maintenant, on a apprivoisé donc trois animaux en une seule partie. Et automatiquement, la quête est maintenant réalisée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Également, à vous abonner pour ceux qui varient prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation pour arriver sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne, mais également à activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochains lives, des prochaines vidéos. On est en live pratiquement tous les soirs, cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On fait énormément de choses en live, donc n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on joue ensemble surtout en live. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne YouTube sur laquelle on est actuellement. En description, vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok. N'hésitez pas à les suivre pour booster un maximum ma chaîne et surtout ne plus rater aucune information autour des lives comme des vidéos. Ça se passe sur mes réseaux sociaux. En description, n'hésitez pas à les suivre pour booster un maximum ma chaîne. Dernière chose, amis, mon code créateur est toujours disponible dans la boutique. N'hésitez pas à laisser pour me soutenir, mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass. Énormément de nouvelles promotions sont disponibles dans la boutique. N'hésitez pas, code créateur Archi pour me soutenir et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utilisent le code créateur Archi pour le soutien. Vous apportez à sa chaîne, merci beaucoup pour ça.